Ran a échoué. J'ai sous-estimé ces chercheurs d'Eldrit. Je vais m'occuper personnellement de son cas. Compris. Nous y sommes. Une fois débarrassés d'elle, notre plan n'échouera plus. Wouah! On est bien à Ranox? C'est tellement grand! Nous voilà arrivés. Les autres prêtresses sont sûrement ici. Je me demande bien où pourrait-on commencer nos recherches. Je pense que nous devrions tous nous séparer dans la ville. Personnellement, je vais m'occuper d'aller voir la doyenne du village. Je viens avec toi si ça ne dérange pas. Moi, je vais faire un tour du village avec Eve. Ça peut toujours servir. Avec Aïcha, on va chercher un endroit où l'on pourrait se reposer. Les gars, faites bien en sorte que toutes vos informations proviennent de sources fiables. Et je ne vise personne en disant ça, n'est-ce pas, le bourrin de service? Et pourquoi tu dis ça? Je n'ai encore rien fait! C'est toi qui nous attire toujours des ennuis! Allez, ça recommence. Oui, c'est vraiment une perte de temps de rester ici. Allons-nous-en, Rena. Tchut! Si c'est comme ça, moi je vais avec Ad. Il est parti où? Il était juste là? Il est parti depuis bien longtemps, espèce d'idiot. Oh. Eh bien, dans ce cas, tu n'as qu'à venir avec moi, Ellsworth. Bonne idée. Allons-y, alors. On devrait y aller, nous aussi. Tu ne penses pas? Très bien. Allons-y! Dame Edel, vous avez de la visite. Alors, que vous arrive-t-il? Vous m'avez tout l'air de ressembler à des vagabonds. Si c'est le cas, je vous prie de ne pas réduire notre village en cendres. Excusez-nous, peut-être que l'on se trompe, mais vous êtes bien la doyenne du village? S'il ne s'agit pas d'affaires urgentes, je vous demanderai de revenir plus tard. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village et ça a tendance à me donner la migraine. Nous ne prendrons pas longtemps. Vous avez juste à nous accorder quelques secondes, petite doyenne. On est venu à Ranox pour retrouver les prêtresses kidnappées par les démons. Vous êtes la mieux placée pour savoir. Et la moindre information que l'on récolte peut nous être d'une grande utilité. Eh bien oui, il y a bien une prêtresse dans notre village. Hein ? Il s'agit de la prêtresse du feu. Et lorsqu'une catastrophe naturelle éclate dans notre région, elle est la première à nous aider. Vraiment ? Nous devons absolument lui parler. Pourriez-vous nous montrer le chemin ?
Vous savez, je suis malheureusement une personne très occupée. Elle doit sûrement traîner dans les environs. Alors, vous n'avez qu'à la chercher par vous-même. Oh. Bon, eh bien, je suppose que l'on va devoir trouver la prêtresse nous-mêmes si on veut plus d'informations. Edel nous a dit que la prêtresse traînait sûrement dans le village. Alors, si ça se trouve, Rena ou Elsworth ont déjà trouvé. Hein? Ça va? Tout va bien, Elsword? Tu sais, Ara, tu marches vraiment très vite. Pas facile pour moi de suivre le rythme. Je crois bien que les gens ici ne sont pas tous au courant de la disparition des prêtresses. Peut-être, mais grâce à Sacha, on sait que la prêtresse du feu se trouve dans ce village. Et en continuant de la chercher, on finira bien par la trouver. T'as raison. Voilà pourquoi nous n'avons pas une seule minute à perdre. Alors faisons le tour du village encore une fois, Ara. C'est bien la première fois que je vous vois ici. Salut, salut! Ravie de vous rencontrer! Ah, mais t'es qui, toi? Je me présente. Je suis Ignia, la prêtresse du feu. J'ai entendu dire que vous étiez à ma recherche, c'est ça? La prêtresse du feu? Oh. Après cette longue recherche, on t'a enfin trouvé! Eh bien, nous sommes... Ah, si j'ai bien compris, vous êtes les chercheurs d'Eldrith. En tout cas, maintenant que vous êtes là, j'aurai aussi un petit service à vous demander. Je n'aime pas me répéter, alors si l'on peut se réunir avant d'en parler... Oui, en fait, ça fait un petit moment que nous étions à ta recherche. Nous allons devoir retrouver les autres. Il est temps d'aller les prévenir pour Ignia. Dak, ça me va. Partons chercher ma sœur. Alors il faut absolument que l'on rassemble tout le monde. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Nous faisons partie de la brigade des démons noirs. Notre commandant, le grand Scar, souhaiterait te rencontrer, chevalière aux cheveux rouges. Scar? Le commandant des démons? Alors vous voulez dire que, depuis le début, c'était lui le responsable de toutes ces catastrophes? Si tu as des questions, tu ferais mieux de nous suivre. Elésis, est-ce que tout va bien? Chung, va avec Elsword pour l'aider à chercher la prêtresse du feu. Je dois vite aller voir quelque chose. Attends, tu vas où? Je compte sur toi, hein? Oh. Quoi? Comment ça, elle vient de partir du village? Je ne sais pas vraiment si elle est partie, mais j'ai vu à sa tête qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Ara, Chung, s'il vous plaît, restez avec la prêtresse. Moi, je m'occupe d'aller la chercher. D'accord, ça me va. Au moindre mauvais pressentiment, nous laisserons la prêtresse sous la responsabilité d'Aïcha, et nous te rejoindrons aussi vite que possible. Venez, on part rejoindre les autres. D'accord. Ça faisait longtemps, chevalière aux cheveux rouges. En effet, Scar. Tu viens ici de ton plein gré. Tu es toujours doté d'un courage aussi stupide. Je ne pensais pas que tu serais derrière tout ça. Que comptes-tu faire au juste avec toutes ces prêtresses kidnappées? Tu l'as peut-être déjà compris, mais elles me serviront toutes à quelque chose. Malheureusement, je vais devoir me débarrasser de toi pour que tu ne sois plus en travers de ma route. Et lorsque tu ne seras plus là, plus personne ne sera capable de m'arrêter. Tu as confiance en toi, Scar, mais je vais mettre un terme à tes ambitions tout de suite. Ne nous sous-estime pas. Nous sommes bien plus forts que tu ne le penses. Oh, eh bien alors, est-ce que je t'aurais un peu scarifié? Joli coup, mais fallait s'y attendre. C'était quoi ce bruit? Elésis. Ah!
C'était quoi ça? Voilà le pouvoir des prêtresses. Elisis! Enfin, cette maudite chevalière est morte. Plus personne, Elios, ne pourra m'arrêter désormais. Toi, espèce d'injure. Tu penses pouvoir me battre?